Suite aux aveux faits par Serge mombo l'ancien président de la Ligue de football de l'Estuaire, le mettant directement en cause. Pierre-Alain Mouongingui, le président de la Fédération gabonaise de football, est entendu depuis ce matin du jeudi 21 avril par la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire, NXISM. Il est reproché à M. Pierre-Alain Mouongingui de n'avoir pas dénoncé des crimes dont il a eu connaissance. Sur ce point, les éléments matériels que nous avons collectés nous laissent aucun doute, explique une source proche de l'enquête. Selon l'article 170 du Code pénal, quiconque, ayant connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé, n'a pas, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets, averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires, et puni d'un emprisonnement de trois ans au plus et d'une amende de un milliard de francs au plus ou de l'une de ces deux peines seulement. Selon d'autres sources, il pourrait ne s'agir dans le cas de Muongingui que d'une incrimination à minima. Il y a un faisceau de présomption selon lequel M. Muongangui aurait pris une part active dans l'organisation de ce vaste réseau criminel de pédophilie. Nous sommes en train d'effectuer les vérifications matérielles d'usage pour voir ce qu'il en est, précise l'une d'entre elles.